na frente da luz, segunda. É as paradas. É, amanhã. Любите движение. Вот, пожалуйста, Марки, Сребрию, любите! Свобода не! Свобода не! Printemps 2000, des jeunes Serbes en colère ont déclaré une guerre non violente contre un homme qu'ils accusent d'avoir volé les 10 meilleures années de leur vie. Il s'appelle Slobodan Milosevic. Slobo, comme on l'appelle, est adoré par ses amis du Parti Socialiste. Mais ses manières douces sont trompeuses. Il est aussi célèbre pour être le tyran le plus sanguinaire d'Europe, le boucher des Balkans. Milosevic a conduit son pays à la guerre, en Croatie, en Bosnie, au Kosovo. Il est à l'origine d'un nettoyage ethnique, des camps de concentration. Il a apporté le chômage, la pauvreté, la corruption, la répression et la peur. En 1998, Milosevic commence à expulser les Albanais du Kosovo, mettant presque 1 million de nouveaux réfugiés sur les routes. L'indignation des Occidentaux, provoquée par un massacre de civils au début de 1999, ouvre la voie à une campagne massive de bombardement par l'OTAN. Pendant 78 jours, et pour un coût de 3 milliards de dollars, les bombes tombent. Unis par leur souffrance, beaucoup de Serbes se rallient autour de Milosevic. Les bombardements l'obligent à retirer ses forces du Kosovo. Mais lui continue de défier le monde, se vantant d'avoir combattu durement l'OTAN et d'y avoir survécu. Il ne s'est pas du tout soucié des dégâts encourus par son armée ou son peuple. Son seul souci était de se maintenir au pouvoir. À la fin, les bombardements avaient clairement renforcé son emprise sur le pouvoir à court terme. À long terme, ils l'ont peut-être réduit. Mais il est absurde de penser qu'il allait se soucier des dégâts militaires. Il n'allait pas s'en soucier. Pourtant, j'ai très très souvent entendu au département d'État, il ne répond qu'à la fin. Après les bombardements, des milliers de manifestants, emmenés par des étudiants, descendent dans les rues contre Milosevic. Les forces de sécurité n'ont aucun mal à les maîtriser. Et bien qu'ils soient déterminés, les manifestants ne représentent pas une menace sérieuse pour le régime. Mais au sein de l'opposition, un groupe sait qu'il ne suffit pas de protester. Dans l'ombre, ils s'attaquent méthodiquement. Au fondement même du pouvoir de Milosevic, ces gens ordinaires qui jusque-là avaient peur de s'opposer à lui. Leur symbole, le poing serré. Leur nom, Otpor, résistance en serbe. Otpor, résistance, a déjà 1 an d'existence. Mais au lendemain des bombardements de l'OTAN, il grandit vite. Fondé par une vingtaine d'étudiants activistes, adolescents ou proches de la vingtaine, Otpor n'a pas de bureau. Ils opèrent à peu de frais, se réunissent dans les cafés et communiquent par téléphone portable. La police les surveille de près. Certains ont été arrêtés.
Nous avons une longue histoire de mouvements de guérilla prenant le pouvoir dans ce pays. Donc lorsque je dis guérilla, je ne pense pas à la violence. Je pense au commandement clandestin et à la dimension un peu mystique qui l'entoure. Il y a une organisation derrière tout ça, c'est toute l'histoire d'Otpor. Même le formulaire de recrutement à remplir donne l'impression de rentrer dans une armée, mais une armée dotée d'une mission. Ils sont peu nombreux, mais ils donnent l'impression d'être partout. Leur tract austère en noir et blanc donne de la force à leurs slogans éloquents. Mort le système, résistance parce que j'aime la Serbie, liberté. Leurs points et leurs slogans s'affichent partout. Preuve que l'opposition à Milosevic est possible. En Serbie, les politiciens de l'opposition sont divisés. Après les bombardements, chacun essaye de récupérer le mécontentement populaire. Zoran Djindjic dirige le parti le mieux organisé. Mais il y a une vingtaine de partis politiques dans l'opposition et la plupart des Serbes ne font plus confiance aux politiciens. En Serbie, il y a tellement de gens qui disent « tous les leaders politiques sont corrompus ». Je ne crois personne. Je ne crois pas Djindjic. Je ne crois pas Kostunica. Je ne crois pas Draskovic. Je ne crois personne. Et si Milosevic a réussi pendant si longtemps, c'est à cause de ça. Parce que beaucoup de gens disaient « d'accord ». Plus de Milosevic, mais qui d'autre? Qui d'autre? Et ces jeunes gens d'Otpor ont dit « Non, finissons-en avec Milosevic, c'est ça qui est important. » Les activistes d'Otpor assurent qu'ils ne recherchent pas le pouvoir. Pour préserver leur liberté d'action et pour maintenir leur image de parti intègre et propre, ils refusent toute alliance avec des partis politiques serbes. Mais ils ne refusent pas l'aide qui vient de l'extérieur du pays. Peu de temps après la création d'Otpor, ils ont rencontré des représentants officiels de pays étrangers de haut niveau, y compris les Américains. Nous avons tous reconnu le talent et les capacités incroyables d'Otpor. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient être perçus comme serbes, vous savez, yougoslaves, et pas comme un outil de l'Occident. Et nous avons respecté cela. Nous pensions que c'était un raisonnement intelligent. Donc, dès le début, nous avons vu en Otpor un enthousiasme et un talent, simplement une sorte de sens politique qui était vraiment encourageant et qui méritait notre appui, qu'importe sa forme. L'aide extérieure américaine, destinée à promouvoir la démocratie en Europe de l'Est, couvre les dépenses d'Otpor. Mais l'inspiration de ce qu'ils appellent « action » vient d'eux et d'eux seuls. Le jour de l'anniversaire de Milosevic, ils font un gâteau. The cake signifies our country which fell apart, like all those pieces of cakes are falling apart and they are eaten by Slobos. Pour l'éclipse lunaire, ils invitent les personnes faisant leur course en ville à aller voir leur éclipse. Tout ce que nous faisions devait avoir une dose d'humour. Parce que je blague, vous vous fâchez. Vous ne montrez toujours qu'un visage. Et j'arrive avec une autre blague, une autre action, un autre message positif pour un public plus grand. C'est comme ça qu'on a réussi à rassembler le troisième élément dans toute cette histoire. Ce qui est très important, la publicité, le peuple sur le terrain. Pour le nouvel an orthodoxe, Otpor invite Belgrade à réveillonner. La musique rock a mauvaise presse auprès du régime. Mais le rock'n'roll, avec son message de rébellion et de résistance, est une caractéristique d'Otpor. À minuit, au lieu des traditionnelles festivités,
Otpor exhibe les noms et les photos des Serbes morts au cours des guerres de Milosevic. Zoran Ranđelović. They came here asking for fun. Ils étaient venus ici pour s'amuser, alors nous leur avons organisé un concert avant minuit. Et puis après minuit, nous avons projeté sur un grand écran le film tragique des morts, des réfugiés, rien que des mauvaises choses. Et nous disions, il n'y a aucune raison de célébrer cela. Rentrez chez vous et réfléchissez à ce qu'il faut faire, pour que nous ayons une raison de célébrer le prochain nouvel an orthodoxe. Mais la phrase clé, c'était « cette année, c'est l'an 2000 ». Cette année, c'est l'année avec un A majuscule. Cette année, la vie doit enfin triompher en Serbie. Un mois plus tard, le Parti socialiste de Serbie tient son 5e congrès pour réélire son président. Da je Slobodan Milošević, kandidat za predsjednika Socialističke partije Srbije, dobio 2308 glasova. L'élite, dirigeante en Serbie, porte les marques du communisme à la soviétique. Elle a beau se prétendre socialiste maintenant, les vieilles habitudes persistent. Milošević récompense la loyauté et punit la désobéissance. Sa réélection est une parodie de démocratie qui ne trompe personne. Dans la ville, le même soir, Otpor organise une sorte de contre-congrès, présenté comme le premier congrès d'Otpor. La première réunion nationale d'Otpor attire des leaders de l'opposition et quelques journalistes qui risquent d'être condamnés pour avoir fait la publicité d'une organisation illégale. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je Otpor i sam postao sila. Le harcèlement de la police ne les a pas découragés. Les arrestations récentes ont même provoqué une augmentation des adhésions. Danas imamo otpor u preko 70 gradova u Srbiji. Fier de ses activistes dans toute la Serbie, Otpor se présente comme un mouvement national. Nous avons tout fait comme si nous étions un mouvement de masse. Nous avons tenu un congrès comme si nous étions implantés dans toute la Serbie. Et en effet, après le congrès, nous étions implantés dans toute la Serbie. Nous avons dit que nous étions un mouvement populaire, alors que nous n'étions qu'une bande d'étudiants. Mais après cela, nous sommes devenus un mouvement populaire et tout le monde est venu vers nous. Pour recruter, Otpor cherche à choquer, à marquer les esprits. Le poing serré, les imperméables de policiers et le cuir noir sont délibérément sinistres. Ils font partie du spectacle. Uživam u slobodi i svakog dana mi je treba sve više i sve više želim. Ja sam izdajnik. Ils avaient un enthousiasme formidable. L'entrain de ces jeunes était extraordinaire. Mais il y en avait parmi les responsables qui voyaient cela d'un mauvais œil. Je veux dire, voulaient-ils vraiment soutenir des étudiants protestataires dont le symbole était un poing serré? Je veux dire que cela va un peu loin pour le gouvernement américain. En fin de compte, ceux qui décidaient ont été convaincus que c'était une bonne idée. C'est tout à leur honneur. Et si vous parlez aux jeunes d'Otpor, vous vous rendez compte qu'ils n'étaient pas de jeunes fous. C'était des gens qui voulaient être libres. Uzmite-se u pamet, vi gospodo, jer i đavo je u Srbiji odneo šalu. Prekinite se nasiljem, prekinite se progonima, prekinite se represijom, prekinite se državnim terorizmom. Yeah!
Otpor a maintenant un bureau à Belgrade, un trois pièces prêté par les parents d'un militant. Otpor est un des 12 groupes d'opposition qui reçoivent de l'argent des États-Unis et des pays européens pour payer les photocopieuses, les téléphones, les frais de poste et d'imprimerie, les ordinateurs et Internet. Otpor avait créé un site Internet avant même d'avoir un bureau. Leurs revendications et leurs principes y apparaissent à la fois en serbe et en anglais. La destitution non violente de Milosevic, des élections libres et la démocratie. Le programme d'Otpor s'adresse à la Serbie. Mais ça n'est un secret pour personne que les financements américains et européens les aident à diffuser leur message. Vers la fin de l'hiver, le financement étranger d'Otpor le rend vulnérable. Mais quand Milosevic accuse Otpor d'être une marionnette américaine, ils savent qu'ils commencent à être entendus. Dans ces pays, les gens n'aiment pas que cela se fasse au grand jour, et cela se comprend aussi. Mais il y a une grande différence entre ce programme et un programme clandestin. Il ne s'agissait pas de programmes clandestins, c'était des programmes transparents, et ils ne visaient pas le renversement de Milosevic, mais l'établissement des éléments d'une société démocratique. L'appui étranger à Otpor va au-delà de l'argent. L'International Republican Institute à Washington recommande des livres de l'intellectuel américain Gene Sharp sur la stratégie non-violente et leur organise un séminaire dirigé par un des collègues de Sharp, un officier de l'armée à la retraite. Je leur ai expliqué que c'était une forme de guerre et qu'il fallait y penser en ces termes. Et si vous décidez d'accepter un combat non-violent, alors les principes sont les mêmes que pour la guerre. On parle d'objectifs, vous parlez de masse. Il faut être capable de rassembler toutes vos forces en un point décisif. Vous devez prendre l'initiative. Vous savez, vous n'allez jamais gagner en étant sur la défensive. Il faut prendre l'offensive, que ce soit dans un combat militaire ou dans un combat non armé. Donc, les principes de guerre sont les mêmes. Nous avions découvert ces choses essentielles que nous mettions en application ici, mais seulement nous ne savions pas que quelqu'un avait écrit un livre là-dessus. C'était une découverte stupéfiante. Tenir ce livre entre nos mains, voir écrit ce que nous avions développé par notre propre expérience, jeter un regard sur ce que le mouvement de Gandhi avait fait, et ainsi de suite, c'était stupéfiant. La leçon principale du colonel Helvey est désormais intégrée, éliminer l'autorité du chef. Srbi su narod koji može da promeni vlast na izborima sada i svaki sledeći put, jer to je dokaz da smo civilizovan narod. Il y a encore au moins un an à attendre avant les élections. Pour l'instant, Otpor construit son réseau en utilisant d'autres armes pour lutter contre Milosevic. Recrutant et formant des centaines d'activistes, Otpor n'a pas de leader national ni de comité central. Belgrade ravitaille, mais les militants locaux d'Otpor mènent leurs propres affaires. C'est une stratégie délibérée qui permettra à la résistance locale de continuer en cas d'arrestation des leaders à Belgrade. Otpor compte sur les jeunes sur place, bien connus dans leur propre quartier, pour mobiliser le mécontentement, lequel est plus fort encore dans les provinces. Smaller cities.
Les petites villes sont devenues le centre de l'opposition et Belgrade était comme un trou noir. Il n'y avait aucun média électronique indépendant à Belgrade au cours de ces deux dernières années. Tout y était, pour ainsi dire, silencieux. Et dans les villes comme Čačak, Niš, Novi Sad, Kraljevo, Užice, la tension était très vive, les gens étaient très, très mécontents, très fâchés, très radicaux. Dans les plus petites villes, les enfants d'ouvriers sont la force secrète d'Otpor. Ils ne voient aucun avenir sous Milosevic, et à la différence de leurs parents, ils n'ont pas beaucoup à perdre en s'opposant à lui. À mesure que Otpor mobilise de ville en ville, le régime se trouve confronté à un dilemme. Continuer une répression à petite échelle ou lancer une offensive de grande échelle. Le 14 mai, le ministre de l'Information intensifie les attaques contre Otpor au cours d'une conférence de presse nationale télévisée. Otpor je neofašistička organizacija na tradiciji crvenih brigada i ova država će sa svim svojim strukturama koju i druge države koriste kada su suočene sa terorizmom ovakvih razmera. Ayant collé une étiquette de terroriste sur Otpor, le régime lance alors la traque et déclenche une vague d'arrestations. Otpor s'attendait à la répression et s'y était préparé. À chaque arrestation, les manifestants se rendent rapidement au commissariat de police et aux prisons. Nous avons développé toute cette chaîne de commandement. Lorsque la nouvelle de l'arrestation parvenait au bureau central ou local, tout un système se déclenchait. Un communiqué de presse était rédigé, une aide juridique à la personne arrêtée était fournie, et autant d'activistes que possible étaient rassemblés en face du commissariat, en 10 minutes. C'était très important de développer une telle solidarité. Ils avaient peur de nous, ils voulaient nous présenter comme des terroristes, des fascistes et comme, je ne sais pas, des criminels, des drogués ou quelque chose de ce genre. Mais quand les gens sortent dans la rue, ils voient des membres de la résistance, ils voient que ces jeunes ont environ 18 à 20 ans, je suis l'un des membres les plus âgés, j'ai 26, 27 maintenant, et ils disent « c'est ridicule ». Ces jeunes ne sont pas des fascistes. Ce sont que des enfants. C'était important pour nous de montrer combien la propagande de la télévision d'État était en fait ridicule. Na granici Srbije i Crne Gore, kao što vidite, 30 i nekih metara 90 nosi najče teroristička organizacija Otpor. Nosi najčere, to znači da mnogo čete, a opasno ovoj zemlji četati, vodite računa. Après minuit, le 17 mai, la police s'empare de la plus grande chaîne de télévision de Belgrade, de deux stations de radio indépendantes et d'un journal qui s'était permis de critiquer le régime. Le matin, la ville découvre que ses meilleures sources d'informations indépendantes ont été mises sous silence. Dans la journée, des milliers de manifestants se rassemblent à la mairie. Avec cette dernière mesure, Milosevic a jeté dans la rue des milliers de personnes qui n'avaient jamais participé à une quelconque manifestation politique. Toute la journée, toute la nuit, le lendemain et la nuit suivante,
la manifestation continuait. À 10 heures, le régime en eut assez. Pour la première fois, le gouvernement de Milosevic adopte les méthodes des dictatures les plus brutales, à la façon d'un Augusto Pinochet. La grande erreur du régime, c'est d'avoir élargi le cercle des réprimés. Et c'est pourquoi la répression a eu des effets inverses. Car c'est comme la troisième loi newtonienne d'action et réaction. Lorsque vous élevez le niveau de répression, la résistance augmente d'autant. Dix jours plus tard, les militants d'Otpor dans les provinces convergent vers Belgrade. Ils viennent mettre la pression sur les leaders de l'opposition pour qu'ils arrêtent enfin leur querelle et travaillent ensemble contre Milosevic. La plupart des chefs de parti ne souhaitent pas être vus ici. Mais personne ne veut voir ses rivaux occuper seuls le devant de la scène. S'ils s'opposent les uns aux autres, comme ils en ont l'habitude, Milosevic gagnera. Otpor veut qu'ils travaillent ensemble, mais les chefs de parti se méfient d'Otpor et sont jaloux de sa popularité croissante. Ils s'inquiétaient vraiment, car nous occupions tout l'espace politique. Vous savez, comme un cancer, nous remplissions tous les vides qu'il n'était pas capable de remplir. Nous donnions des réponses à toutes les questions que les gens posaient et à propos desquelles ils n'avaient ni idée, ni même compétence. Et nous avions le réseau le plus puissant. Avoir le peu d'entrain avec lequel il touche le drapeau de l'impétueux mouvement d'Otpor, on comprend à quel point il sera difficile pour eux de travailler ensemble contre Milosevic à l'avenir. Le 27 juillet, Milosevic fait une annonce surprise, avançant les élections 10 mois avant l'échéance. Il sait que l'opposition n'est pas préparée et il a fortement besoin de se refaire une légitimité. Il a compris que sa position se détériorait au fil des jours. Il essayait de sauvegarder ce qui lui restait encore de soutien, c'est une chose. La deuxième est qu'il s'était préparé à voler. Et la troisième est qu'il s'était préparé à garder le pouvoir par la force. Personne ne croit vraiment à une candidature honnête de Milosevic. Mais les Serbes veulent désespérément le changement. Sous Milosevic, le revenu moyen a chuté de 800 à 50 dollars par mois. Un journal révèle que la majorité des électeurs portent des chaussures vieilles de 10 ans. Milosevic est vulnérable, mais contre une opposition divisée, il ne lui sera pas difficile de voler ou même de gagner l'élection. Le 1er septembre, l'opposition serbe forme une nouvelle coalition pour faire tomber Milosevic. Des mouvements pro-démocratiques, tels que Otpor, l'avaient réclamé. Les Américains et les Européens proposent leur aide à condition que l'opposition travaille ensemble. Elle s'appelle l'Opposition démocratique de Serbie, ODS. La coalition compte 18 partis qui se sont engagés à soutenir un candidat unique, un homme à peine connu hors de l'élite politique de Belgrade. Il s'appelle Vojislav Kostunica.
Kostunica est un juriste. Il dirige un petit parti. Un sondage a montré qu'il était le meilleur candidat pour s'opposer à Milosevic. À cause de son identité nationaliste et sa rhétorique anti-américaine, il sera impossible à Milosevic de le taxer de traître. Da ću dati sve od sebe, da naša zemlja bude istinska domovina svih svojih građana. Srba, Crnogoraca, Mađara, Muslimana. Les minorités ethniques de la Serbie sont la clé de ce qui sera probablement une élection serrée. Albanaca, Hrvata i ostali. Kostunica se rend dans les plus petites villes, là où Milosevic n'ose pas aller. Les stratèges de l'ODS obtiennent de l'aide de conseillers politiques américains basés hors de Serbie. Les sondages nous ont indiqué que l'électeur serbe cherchait désespérément des raisons pour voter contre Milosevic et pour une meilleure vie. Nous avons donc travaillé avec la direction du parti pour leur faire comprendre qu'il fallait partir à la rencontre des électeurs un à un. Vous savez, serrer les mains en allant au marché, taper aux portes, faire des appels téléphoniques. Mécaniquement, ils ont eu une très bonne couverture de la presse locale, des télévisions locales. Ils étaient ainsi capables de compenser ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir à Belgrade. Zanima šta imate? Srbiju po sankcijama, možda sa sutra nekim drugim bombama, Srbiju u kojoj će se njima presipati, a narodu neće biti, Srbiju u kojoj će državna televizija služiti za to da bude partijska televizija. Ce qui plaisait dans notre message, c'était notre vision d'un nouveau mode de vie, parce que nous étions fatigués par une telle incertitude pesant sur notre existence, des guerres, des pressions, de la répression de Milosevic. Et mon impression pendant cette campagne, en parlant à tous ces gens, était qu'en fait, c'est ce dont ils avaient besoin et ce dont ils rêvaient. En réalité, ils ne pensaient pas tant que ça à Milosevic. Kostunica met l'accent sur le positif. Mais le slogan le plus accrocheur de la campagne, lui, est négatif. Il a été inventé par Otpor, Gotovje. Il est fini. Gotovje, il est fini. C'était téméraire, audacieux, courageux. Milosevic, il est fini. Il ne disait même pas Milosevic, il disait il est fini. Tous savaient ce que cela voulait dire. Ils l'ont fait plusieurs fois avec différents slogans qui étaient tous très incisifs. Ils étaient remarquablement en phase avec la société. Kostunica fait campagne seul. D'autres chefs de parti, comme Zoran Djindjic, mettent de côté leur grand ego et leur ambition pour faire chacun de leur côté campagne sur son nom. Ces batteurs sont la figure de proue d'un groupe appelé G17+, un comité d'experts économiques qui écrit la plateforme de la campagne de l'ODS. Dans cette campagne, l'avantage de l'opposition était que la campagne était dispersée. D'un côté, Otpor, de l'autre, les organisations non gouvernementales, G17+, les partis de l'ODS et Kostunica. Il y avait en fait 5 campagnes. On ne savait donc pas qui était le chef de file. Il n'était pas identifiable. Donc Milosevic ne savait pas qui attaquer. Milosevic ne fait sa première apparition dans la campagne que 2 semaines avant l'élection. Pour lui, le contact personnel avec l'électeur n'est pas une priorité.
Ce n'est un secret pour personne que le Parti socialiste paye les gens pour se présenter à ces rassemblements pour faire de meilleures images à la télévision d'État. Sur les chaînes de télévision indépendantes, c'est la campagne de l'opposition qui domine. Ko uvek sme da vas pogleda u oči? Koštunica, naravno. Već 10 godina pokušavam da skinem ovu fleku. Verujte mi, sve sam probala. Sada se pojavila nova mašina. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Dozvolite mi... Pa samo tu. Vidite, deluje. Konačno, gotov je. Une autre campagne est moins spectaculaire, mais la formation des contrôleurs de scrutin est probablement plus importante que tous les discours et toute la publicité. Des sessions de formation leur apprennent comment repérer et prévenir les probables fautes des autorités électorales, entre guillemets, de Milosevic. Le jour de l'élection, l'opposition démocratique, les groupes chargés d'inciter les gens à voter, Haute-Port, des douzaines d'organisations pour la démocratie et les droits de l'homme et les médias indépendants se rejoignent dans cette campagne. À la fermeture du scrutin, tous les partis doivent approuver le décompte bureau par bureau. Toute tentative de voler l'élection devait donc nécessairement être imputable au régime à Belgrade. On a besoin d'au moins 30 000 personnes pour contrôler 10 000 bureaux de vote. Avaient-ils vraiment mobilisé 30 000 personnes ? Eh bien, non seulement ils avaient mobilisé quelque chose comme 30 000 personnes, mais ils avaient aussi organisé cet effort incroyable de transmettre les résultats de l'élection à Belgrade presque immédiatement, de telle manière que lorsque la fraude s'est produite, ils avaient les chiffres pour la démontrer. Un réseau d'emails envoie les résultats à un centre informatique financé par l'aide américaine. Alors que l'on attend le décompte final des voix, le résultat ne fait guère de doute. Mais personne ne sait ce qu'il arrivera par la suite. On savait qu'on allait gagner. Nous le savions et nous savions que Milosevic n'accepterait pas. Et notre avantage était que nous nous étions préparés à l'étape suivante, qu'il ne gagnerait pas, qu'il n'accepterait pas notre victoire et qu'il essaierait, après coup, de magouiller. Après minuit, dans les quartiers généraux de campagne, on attend que les résultats soient doublement vérifiés. On fait alors une annonce qui rend impossible la manipulation des résultats. Prema našim podacima, izvesna je pobeda u prvom krugu predsjedničkih izbora. Une seule question demeure. Quand, ou plutôt comment, le véritable gagnant prendra-t-il le pouvoir ? Quelques jours plus tard, et alors que Belgrade retient son souffle, la commission électorale de Milosevic dit qu'aucun candidat n'a obtenu plus de 50% des voix et elle appelle à un deuxième tour. Vi ćete imati najveći zadatak u životu. Ako stvari stoje onako kako ja mislim da stoje, mi ćemo morati organizujemo proteste. Vi ste trenirani da to sprovedete. Vi ste pravili mrežu po fakultetima. Ovo je vaš protest. Sve što se bude dešavalo je vaše.
Ils se sont formés et organisés pendant des mois. Ils sont maintenant confrontés à l'épreuve décisive de leur mouvement non violent. Peuvent-ils forcer le régime à laisser la place? L'ODS et Kostunica déclarent qu'un deuxième tour n'est pas nécessaire et appellent la population à se préparer à une grève générale. Trois jours avant le début de la grève, les mineurs de charbon de la mine de Kolubara, juste au sud de Belgrade, donnent un renfort inattendu à Kostunica. Un comité représentant 17 000 travailleurs vote pour une grève immédiate. Ils disent qu'ils veulent que leur action serve d'exemple au reste du pays. La mine, qui produit 70% de l'électricité de Serbie, est paralysée. Sans attendre de savoir comment Milošević réagira à cette grève, les Serbes lancent une action d'ampleur nationale. Toute vie normale s'arrête dans tout le pays. Nous savions que Milošević ne pouvait résister qu'avec le soutien de la police et de l'armée. Et nous savions que si nous pouvions toucher la police et l'armée dans son entourage et les amener à réfléchir, doivent-ils soutenir Milošević ou le peuple, alors ils ne pourraient pas survivre. Et il était très important que nous trouvions des symboles de cette résistance nationale très étendue et que nous montrions à la police et l'armée que ce n'était pas simplement une affaire entre l'opposition et le gouvernement, mais une affaire entre le peuple et Milošević. Alors que la police et l'armée encerclent les mineurs en grève, un appel urgent est lancé pour soutenir les travailleurs en grève. Des milliers de gens ordinaires répondent à l'appel. C'est un signal adressé à la police et à l'armée que Milošević est bien fini. Dans les plus grandes villes, les chauffeurs de taxi se retrouvent et provoquent des bouchons en roulant au pas. Les chauffeurs de transport public arrêtent leurs autobus ou tramways au milieu des grands carrefours. La police essaye de maintenir l'ordre, mais chaque jour le mouvement s'étend. Ayant perdu l'élection, ayant échoué dans sa tentative de la voler, Milošević doit maintenant démissionner ou utiliser la violence. Nous avions formé la nation à ne pas attaquer la police, à ne pas utiliser la violence, parce que notre message était qu'il n'y avait pas de guerre entre nous et la police, qu'ensemble, nous étions des victimes du système. Et il n'y a pas de raison d'avoir une guerre entre victimes. Certaines victimes sont en uniforme bleu, d'autres sont en blue jean, mais il n'y a aucune raison à tout ce sang. L'ODS et ses supporters sont déterminés et en colère, mais ils sont aussi patients, décidés à éviter un bain de sang tout en augmentant lentement leur pression. Il était primordial qu'on laisse assez de temps à ces gens du gouvernement pour comprendre ce qui se passait. Ça n'était pas simplement une révolution d'un jour, c'était une escalade sur 10 jours avec une augmentation quotidienne de la pression. Et la Serbie était complètement bloquée. À la fin, il était absolument clair que la majorité était contre Milošević. Dix jours après l'élection, presque personne à Belgrade ne se rend compte que la rupture est proche. Depuis l'aube, la Serbie bouge, convergeant de tout le pays vers la capitale. L'opération a été planifiée dans le secret par les leaders de l'ODS à travers tout le pays. Ils s'étaient préparés à une résistance de la police. Ils s'étaient même équipés de bulldozers pour percer les barricades.
À 9h du matin, un des convois, mené par le maire de Tchatchak, vêtu de son jogging, trouve la route complètement bloquée par la police. Kolona je dugačka od Čačka. Pomerite kamione, nemate uopšte razloga. Ljudi, budite i vi pribrani. Jesmo pribrani, došli smo. Naređenje nam je tako. Znači, ja mogu malo da vam kažem. Znam. Juče smo... Vi shvatite mene. Dobro, ćemo li mi da preduzimo akciju da vi ništa se ne mešate? Vi ste vaše uradili pod naređenjem, mi ćemo naš, znači nemoj samo vidjeti. Imate šansu da nas se priključite, ljudi, znači, i lomiće kamione bez veze. Recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije, ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. Ma nema češće, znači, svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne, recite ljudima. Fatigué de négocier, les hommes du convoi de Tchatchak retirent eux-mêmes les barricades. Ces gens qui venaient de villes telles que Tchatchak et Ujitse étaient prêts à faire n'importe quoi. Ils n'étaient pas simplement des manifestants habituels, comme on les voit à Belgrade, vous savez, se contentant de marcher, de crier dans les rues, et puis de rentrer ensuite chez eux. Non. Ces gens étaient venus ici pour faire quelque chose, et ils ne rentreraient pas sans l'avoir accompli. Des unités spéciales antiterroristes coopéraient étroitement avec nous. Nous étions en contact radiophonique avec elles toutes les 10 minutes. Ensuite, je transmettais les informations à mes concitoyens. La police était avec nous, elle allait choisir notre camp d'une minute à l'autre. À mesure que l'on avance dans la matinée, il devient clair que la police élève des barricades, mais ne les défendra pas. Des convois en provenance du sud entrent dans Belgrade vers 11h du matin. Leur point de rendez-vous est le bâtiment du Parlement fédéral. Ilitch, le maire de Tchatchak, reste en contact avec les convois encore en route. Ils doivent se rejoindre pour prendre, non violemment, le Parlement à 15h. Grâce à des contacts secrets avec la direction des forces de sécurité, l'ODS s'assure qu'elles n'interviendront pas, mais rien n'est acquis. Nous ne savions pas comment la police réagirait. Nous étions sûrs qu'une partie de la police n'utiliserait pas la violence contre le peuple, mais pas toute la police. Et la police était très, très perturbée. Le contingent de Tchatchak, impatient, décide d'avancer avant l'arrivée des autres convois, mais il est facilement repoussé. C'est que des centaines de milliers d'autres Serbes sont encore en route vers Belgrade. Les fermiers et les ouvriers sont décidés à empêcher le vol de leur vote.
Quelques heures après l'entrée des premiers convois dans la capitale, la nouvelle arrive aux habitants de Belgrade. Ils descendent alors dans les rues, chantant « La Serbie s'est levée ». En ce jour, le Parlement était l'endroit où il fallait être. Des leaders de l'ODS, qui écoutent désormais la radio interne de la police, entendent des ordres donnés pour dissiper la foule, mais rien ne se passe. Les policiers ne voulaient vraiment rien faire. Ils ont simplement ignoré les ordres et ont attendu de voir ce qui se passait. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues de Belgrade et qu'il y en avait de plus en plus venant de toute la Serbie, il y avait une sorte de soulèvement dans ce pays. Bien sûr, la police savait que tout usage de la force contre ces gens serait une sorte d'autodestruction. Elle a compris alors qu'elle serait perdante avec Milosevic. Elle ne voulait pas que cela arrive. Un journaliste a écrit : la police et les chefs de l'armée n'ont jamais donné l'ordre de tirer parce qu'ils savaient que leurs propres enfants étaient dans cette foule. À l'intérieur du bâtiment, on découvre des milliers de bulletins de vote préparés à l'avance en faveur de Milosevic. Eh bien, quelques fenêtres brisées et un parlement en flammes, c'est rien. Rien en comparaison de ce qu'on a vécu avant, avec ce que Milosevic a fait ici, avec ce que les autres pays des Balkans ont fait ici, avec ce que les États-Unis ont fait ici avec leurs bombes. Ça, c'était un jeu d'enfant. Il y a eu deux morts au cours de cette prise du Parlement. Une personne âgée, victime d'une crise cardiaque dans la foule, et un accident de circulation. Pendant deux jours, Milosevic ne se montre pas, mais il n'y a plus de doute, il est fini. Le peuple a pris le pouvoir. Pendant tout ce temps, il ne servait à rien de le menacer ou d'utiliser la force. Il fallait menacer son emprise même sur le pouvoir. Et ça a mieux marché par la mobilisation des forces démocratiques à l'intérieur de la Serbie. Vous savez, la grande leçon ici, c'est qu'une coalition ayant une large base de protestation non violente peut balayer une dictature plus vite que toutes les actions clandestines du monde. Je pense que nous avons réussi parce que tout simplement, nous aimions la vie plus qu'eux. En général, ces gens étaient des prêcheurs de la mort. Leur haine, leur propagande, leur langage sentait la mort. Et nous avons gagné parce que nous aimions plus la vie. Nous avons décidé de aimer la vie. Et vous pouvez être la vie. On était décidé à aimer la vie. Et vous ne pouvez pas vaincre la vie. C'est ce Kotpor a fait. Nous étions un groupe de fanatiques de la vie. Et c'est pourquoi nous avons réussi.